La théorie de l'évolution fut émise par Charles Darwin au milieu du 19e siècle. Cette époque était très différente de la nôtre, car la science et la technologie n'étaient que peu développées. Les savants du 19e siècle devaient travailler dans des laboratoires simples avec un équipement rudimentaire. Avec les instruments dont on disposait à l'époque, on ne pouvait même pas observer les bactéries. De plus, les savants étaient encore sous l'influence de nombreuses superstitions en cours depuis le Moyen Âge. L'une de ces croyances était que la vie avait une forme simple. Cette croyance, remontant à Aristote, considérait que la vie pouvait se produire toute seule, lorsque de la matière inanimée s'assemblait par coïncidence en milieu humide. En élaborant sa théorie, Darwin s'appuya sur la croyance que la vie avait essentiellement une structure simple. D'autres biologistes qui adoptèrent et défendirent les théories de Darwin pensaient de la même façon. Par exemple, le plus grand défenseur de Darwin en Allemagne, Ernst Haeckel, supposait que la cellule vivante, qui ne pouvait être perçue que comme une tache sombre avec les microscopes de l'époque, avait une structure très simple. Dans l'un de ses articles, il décrit la cellule comme un simple petit amas de combinaisons albumineuses de carbone. La théorie de l'évolution était basée sur des suppositions comme celle-ci. Les pionniers de la théorie de l'évolution, comme Haeckel, Darwin et Huxley, pensaient que la vie avait une forme très simple, et que cette forme simple pouvait se susciter elle-même sous l'effet du hasard. Cependant, ils avaient tort. Au cours du siècle et demi qui s'est écoulé depuis l'époque de Darwin, des pas géants ont été effectués par la science et la technologie. Les scientifiques ont découvert la structure de la cellule que Haeckel décrivait comme un simple petit amas de combinaisons albumineuses de carbone. Ils ont constaté avec surprise qu'elle n'est pas du tout simple comme on le croyait auparavant. On a découvert que la cellule est dotée d'un système si complexe qu'on n'aurait même pas pu l'imaginer à l'époque de Darwin. Un célèbre biologiste moléculaire, Michael Danton, décrit la structure de la cellule par l'analogie suivante. Pour décrire la réalité de la vie telle qu'elle a été révélée par la biologie moléculaire, nous devons agrandir la cellule 1 million de fois jusqu'à ce qu'elle ait un diamètre de 20 km et ressemble à un vaisseau spatial assez grand pour recouvrir une grande ville comme Londres ou New York. Ce que nous verrions alors, ce serait un objet d'une complexité, d'une faculté d'adaptation inégalable. À la surface de la cellule, nous verrions des millions d'ouvertures, comme les hublots d'un immense vaisseau spatial.
s'ouvrant et se fermant pour permettre à un flux continu de matériaux d'entrer et de sortir. Si nous entrions par l'une de ces ouvertures, nous nous trouverions dans un monde de la plus haute technologie et d'une complexité époustouflante. Reprenons donc l'analogie du vaisseau spatial proposée par le professeur Denton et examinons de plus près la complexité de la cellule. Notre voyage commence avec les hormones qui sont à la recherche d'une cellule appropriée. Quand les hormones s'approchent de la cellule, elles cherchent d'abord une porte qui les laissera entrer. Les portes de la cellule opèrent de manière sélective. Chaque molécule s'arrêtant à une porte est vérifiée par la porte pour voir si elle est bénéfique à la cellule ou non. Les portes ne s'ouvrent que pour les molécules utiles. Si un élément nuisible, comme un virus, essaie d'entrer par une porte d'une cellule, la situation change. La porte de cellule analyse cet élément, s'aperçoit qu'il est nuisible et le rejette. Quand les hormones passent la porte, elles sont immédiatement prises en charge par des protéines spéciales qui exécutent les fonctions de la cellule. Ces protéines sont appelées enzymes. Si nécessaire, les enzymes utilisent immédiatement les hormones nouvellement arrivées. Si ces hormones ne sont pas nécessaires pour le moment, elles sont placées dans le compartiment de stockage de la cellule, qu'on appelle l'appareil de Golgi.